Kevin pour te faire jouer à défense? Soit, il était pas si mine que ça. Le deal, c'est quand même un descendant direct des deux meilleurs boxeurs de la dernière génération. Oh, monsieur Desroches, est-ce que Bob Killer-Dill va jouer demain à New York? Au téléphone, le président de la Ligue a dit qu'il voit aucune raison de s'opposer à ce que Dill prenne part à la joute demain soir. Dill, c'est un bob, il était banni à vie de la Ligue américaine. Le président a dit que la Ligue ne peut pas condamner les gestes d'un joueur commis dans une autre Ligue. Ben, il a pratiquement assassiné un joueur. M. Gorman a envoyé une lettre de protestation officielle qui dit à peu près ceci. Les joueurs sont envoyés dans la mêlée afin d'enfarger, d'accrocher, de bousculer, enfin bref, démolir Richard. Corman demande aux arbitres de le protéger. Suivez. Bonne chance. À New York, ils parlent juste de ça. Même ceux-là qui connaissent pas le hockey savent qu'il y a un Canadien qui va se faire tapocher à Swan Road Garden. Not playing. Well, why don't we tell the press? He's hurt. He's got a broken whatever. No. Definitely something. No, Tommy. If we do that, they win. I will not let them win. Dill is gonna kill him. Tommy, I will not let the other team's coach tell me who I can play and who I can't play. Maurice, stay away from Dill. Lock.
your shot. De bien des batailles. J'ai vu Murray Armstrong, McCarthy et Deschamps. J'ai vu Springbank Cleghorn, un des joueurs les plus mines de l'histoire de la Ligue, dans une cinquantaine d'accrochages. Mais je vous assure que c'est la première fois que je vois un joueur mettre son adversaire KO d'un seul coup de poing. C'est une sévère correction que Maurice vient de servir au type que l'on surnomme The Killer. Que tous les joueurs de troisième classe qui essaient d'empêcher le Canadien de gagner en harcelant Richard se le tiennent. On dit, le racket n'aime pas se faire manger la laine sur le dos. Points dans un match. Tu me dis que t'étais magané. T'étais même pas sûr de pouvoir jouer. J'étais magané. Magané? C'est un record de ligue. Va te dire, mon portefeuille est goûté à soir. En plus de payer mon propre billet, là, j'ai perdu de l'argent dans le gageur. Quel gageur? Mais t'as déménagé toute la journée. Qu'est-ce que t'as gagé? J'ai gagé que tu scorerais pas. T'as gagé contre moi? La première fois. Je pourrais être congédié sa direction, c'est avec mon beau-frère gage contre moi. J'ai perdu à gageur. Ouais, puis si t'avais gagné. Quête-toi pas, je perds à tous les fois. Depuis que tu gages. Peut-être que si tu me donnais des billets dans une section où le monde ne prenne pas de gageur. 8 points, ça. Ça veut-tu dire que demain, on va chercher un appartement encore plus grand? Quel tour de char? Lucille!
j'ai fait encore? Mais c'est pas toi le problème. Mais c'est quoi le problème? Il te frappe sur la tête avec des bâtons de bois. Maurice Richard, je t'avertis, si tu me dis que c'est pas grave parce que ta tête dure, je pense bien que je te tue sur place. T'as une famille. Tu fracasses des records. Tu remplis les arénas partout, puis la Ligue te protège pas. Pourquoi? Pourquoi toi, contrairement à tous les autres vedettes de la Ligue, on ne protège pas?